Alors, hop, caillou dans l'eau, allez, blaf! Attrapons des poissons, non, rien à foutre. Oh non, je voulais pas les règles. Non, 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 non. Non, va te faire foutre. Va te faire foutre, arrête de me parler. Alors, puissance. Puissance, 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 puissance. Puissance, puissance. Boum. Chop. Ouais, du poisson, ouais. Ça y est, j'ai attrapé un poisson. Il y a quelque chose ici. Vous avez attrapé le Runegem. Oui! Et salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le deuxième épisode de Stranded Kid sur Game Boy Color. Et oui, j'ai voulu commencer par... voilà, j'ai enfin capté, fallait faire le mini-jeu tout simplement. Et choper le poisson du milieu. Donc maintenant, on sait comment choper du poisson qu'on va bouffer, hein, parce qu'on s'est levé, c'est l'heure du petit-déj. Donc on va se le graille, hein, on va se permettre ça. Et on va aller remettre notre gemme à sa place, tout simplement. Nourriture qui dure, machin. Il est où le poisson? Ah ouais, et le big fish dans mon cul, quoi. D'accord, bah non, bah ok, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis, c'est peut-être la gemme qui a pris la place. Et bien écoutez, on va rentrer la poser, hein, on va se rentrer dans notre autre domaine. On a une fille qui nous attend, hein, n'oubliez pas, quand même, on va pas la laisser toute seule, hein, non plus. Qu'est-ce que c'est, ça se mange? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, les gens, donc un petit peu perdu, vous êtes paralysé, non, c'est toujours pas intéressant. Donc, si je me rappelle bien quoi, mes vieux souvenirs, il faut passer par la grotte. Et... ah non, c'est par là-bas. Dégage, 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 dégage. Dégage. Et redégage. Non mais, eh oh! Ah non, mais bon, bah on a de la bouffe qu'on va s'en prêter. Sans pr... je sais plus parler, comme d'habitude. On va se le bouffer, hein, le truc. J'ai pas envie de prendre ma viande que j'ai... Et merde, que j'ai préservé, ça peut servir pour plus tard. Voilà, on va allumer un feu. Et oh, il fait bon. Hop là. Tac. Ça fait du bien, toujours jouer à ce petit jeu, ça fait longtemps. Je vais le manger, ça prend de la place pour rien. Oui, on va le manger, on va pas le rebrûler, hein, parce que ça ferait de la semelle. Enfin, même moi, si j'aime bien quand c'est bien cuit, merde quoi. Donc voilà. Oh. Quoi? J'ai perdu le cook meat? Quoi? J'ai fait quoi? Je l'ai lâché? Putain, j'ai regardé autre chose. J'ai vu un chat passer. N'importe quoi. Bon, bref. Bon, on va bouffer ce truc. Oui, j'ai des chats qui passent devant ma fenêtre. Des chats bizarres. Même si c'est les miens, ils font peur. Ma transi. Mais j'ai pas crié. Parce que voilà. Là, il y a un petit garçon qui joue sa survie. Faut assurer derrière. Tout le dou dou dou. Alors, on allume un feu. Oui, il me faut. Oui, d'accord. Est-ce que ça peut me boucher le chemin, ce putain de feu? Non, on va pas brûler la gemme, on en a un peu besoin. Voilà, une torche. Non. Bon, le chemin, à peu près, je commence à le connaître un petit peu, hein. Ça va pas être un souci, ça. Bon, ça fait plaisir en lui, cette putain de gemme là. Ah là là. Putain, comment j'avais ragé à l'épisode précédent. On avait fait plein de trucs, hein, cela dit. Après, je sais pas trop où il faut aller, ce qu'il faut pour récupérer les autres. Bonne question. Peut-être qu'à 3 gemmes, il va se passer un truc. J'ai du mal avec le mot gemme, moi je dirais plus joyau. Mais bon. Oh, le cul-de-sac. Et regarde à quoi toutes ces tombes. Une dalle de pierre et ces statues-là, on dirait des statues de l'île de Pâques. Une statue de pierre. Bah ouais, je me demande si ça sert pas à quelque chose, tout ça. Et pourquoi il y en a que de ce côté de cette île et pas de l'autre, quoi. Je sais, c'est un peu bizarre, ça. Bon, bref. Peut-être des mystères. Attention, je connais pas encore bien le jeu. Comme je dis, je le découvre en même temps que vous, les gens. Oh, putain, il fait nuit. Bon, allumer un petit feu. On va... voilà, la torche, crawl. Hop, on va rebouffer un truc. Vu que ça revient à l'infini, la bouffe, hein. Sans plein d'énergie, yeah! On va rebouffer ça. Voilà, comme je dis maintenant, plus besoin de trop stocker de la bouffe, parce qu'on peut tomber dessus à tout moment, donc à la rigueur, c'est pas très grave. Si on n'a pas trop de bouffe sur soi, on en trouve toujours à côté, hein. En fait, c'est pas un souci. Donc en fait. Oh, la viande, je m'en chopperai plus tard. Là, c'est mangé.
Et en plus, on trouve toujours des bestioles, donc on va reprendre un petit coup. Hein, voilà. Oui, je sais pas si c'est très propre de boire partout, mais bon, hein, on n'a pas le choix. Alors. Donc, l'autre fois, j'étais tout content. La gemme et tout. On va la mettre là. Et ben voilà, on va la mettre. Un trou circulaire. Ne pensez pas à autre chose, les enfants. Là. Oui, je l'ai défait. Yeah. Bon, ben, on va voir notre copine hein, qui nous attend bien au chaud à la maison. C'est un peu macho, mais bon, merde. Je me sens pas très bien. Faut peut-être que je lui donne un truc à manger. C'est bizarre. Parce qu'elle se sent pas très bien. Est-ce que j'ai de la bouffe? Utiliser. Prenez ça. Merci. Désolé, je ne peux presque pas bouger. Quoi? À mon avis, il va falloir plus la nourrir, je sais pas. Est-ce que j'ai des trucs? Ah, je vais lui redonner de la bouffe, hein. Bon, je vais dormir parce que moi il me faut de l'énergie, hein, il me faut mon repos du guerrier, hein, faut pas déconner. Voilà, jour 41. Donc je pense qu'il faut que je lui donne tant de bouffe pour qu'elle récupère de l'énergie, hein, je sais pas. Hein. Oh, il a dormi par terre, il est bien mignon. Il me faut le reste des joyaux. Alors, bon, ben, ah non, c'est pas par là qu'il faut. Je veux toujours aller par là, mais je sais que là-bas ça sert à rien, donc je commence à plus me faire avoir là. On va retourner, on va re-explorer un peu tout ça. On a vu dans l'autre coin là qu'on a débloqué là, la montagne, j'appelle ça la montagne. Je sais pas. Et si on lui donne de la bouffe comme ça? Attendez, je vais voir si on peut soigner la fille. Genre, je vais lui donner ça. Attendez, on va d'abord réfléchir à ça aujourd'hui. Avant toute chose, hein, on va un peu s'occuper de notre copine quoi. Parce que merde. À la fin, la pinko. Bon. Mange. Mangez un gland. Oh, et pensez pas tout de suite. Mais j'avoue, comme ça, ça abuse, hein, gland. Peut-être qu'il y a un truc spécial. Hein. Alors, je peux pas compter sur internet pour voir ce que c'est. On va l'utiliser. Prenez ça, merci. Ok, hop. Ça me fait penser au truc du radeau. Ce où je donne 10 000 fois des objets à la con, c'est pas celui-là qu'il faut. Putain, mange. Prenez ça, merci. Je me sens pas très bien. Ouais, t'y refoutre. Bon, moi aussi, faut que je me nourrisse. Hein. Merde. Non, pas par là. Quoique, je peux peut-être récupérer un peu de bouffe ici. Bon, ça va être pour ma gueule. Hein, parce que, merde, hein, j'ai faim. Je regarde, c'est des coquillages. Ah, il y a un coquillage. Alors, on va lui donner un coquillage. On va le faire cuire. Non, on va s'occuper d'elle. On va bien trouver la. Peut-être qu'elle peut nous aider après. Hein. Ou alors, sachant que je perds mon temps et tout le temps crever. Hein, je sais pas. Bon. Voilà. Ouais, stocké. On va lui donner une palourde. J'espère qu'elle va être contente. Hein, parce que ça, c'est, si c'est pas romantique, c'est un homme qui offre une palourde. Je suis désolé. Une palourde cuite en plus. Merde. Hein. Tout le glamour qui ressort là. Dans une île déserte, c'est un luxe. Hein, je suis désolé. Hein, c'est. Oh putain, c'est trop beau. Quoi. C'est trop beau quand c'est cette journée. C'est peut-être de la journée, je veux dire. Je me sens pas très bien. Alors, hop. Des fruits de mer, ça donne de la protéine. Allez, prenez ça. Merci. Désolé, je ne me presse pas bouge. Bon. Écoutez, on verra. On va quand même prendre toujours un petit truc de bouffe différent au passage à lui filer. Ah, peut-être qu'il lui faut tant de viande, je sais pas, mais. Bon, bref, on va se balader. On va se balader. Hein, continuer à chercher les cailloux, hein, tout ça, hein, les joyaux. Tout. Ouais, on le mange, crao. Un peu épicé, mais c'est un peu le but. J'aime bien quand c'est muy caliente. Je vais pas repasser par la grotte parce que j'aime pas trop. Passer par la. Excusez-moi. Fort de dire des conneries. Je me fais avoir. Allez, mangeons ça pour la toux. Alors. Et les crocodiles, on peut toujours rien leur faire. Je ne peux pas passer devant les crocodiles. Si je pouvais les immobiliser, je pourrais. Peut-être avec. Je viens de réfléchir à un truc. Parce que je vais forcément devoir passer par ces coins-là. Putain, il me suit en plus, le salaud. Si je pouvais les immobiliser. Je vais voir si j'ai pas un objet. Enfin. Peut-être avec un bâton. Au début, j'ai. Attends, on va essayer. Il ne se passe rien. Ah, je me suis dit qu'on voulait bloquer la gueule, vous savez. Enfin. Vous avez compris ce que je voulais faire, je pense. Tac.
Je vais le bloquer la gueule avec un bâton, quoi. Comme on voit souvent dans les films et tout. Non. Peut-être que je lui donne de l'herbe qui paralyse, en fait. Et oui, elle doit bien servir à quelque chose. Je ne veux pas assez devant les crocodiles. Si je pouvais les immobiliser, je pourrais... Ah, attendez. On va aller dans l'autre maison. De toute façon, il va falloir dormir, donc on va se rejoindre l'autre maison. On va prendre sur nous de l'herbe qui paralyse. Je pense qu'il y, il y en a là, déjà. Je me souviens bien. On le prend. Et on va voir. Avant de passer, j'avais prévu de monter là-haut, mais en fait, on va aller voir. On va aller voir ce que... Enfin, ça me perturbe, ce truc, quoi. On va tester, là, ces crocodiles, là. Bon, c'est épisode un peu de test, on va dire. Bon, on va manger ça. Miam. Je suis agressé par une bestiole, t'as là. Ouais, ouais, bah, voilà, franchement, je me suis rien renseigné sur Internet, hein. Pour une fois. Donc, je sais pas, on va tester ça. Même si je vous dis, il n'y a pas grand-chose sur ce jeu sur Internet, hein. Tout en anglais. Des vidéos en anglais, je vous dis, c'est pas facile. Mais bon, les torches. J'aime bien voir clair, quoi. Et là, on va en prendre deux, du coup. Prendre. On va dormir, après. Et on va retourner, on va essayer de bloquer les crocodiles. Voir ce que ça peut donner. Oh, notre vieille cabane adorée. Sinon, ben, j'irai me renseigner, tout simplement. Là, on va dormir quelque part. 41 jours sur l'île. Là, au bout d'un moment, il se passe un truc, ça en dépasse un an, je sais pas. Il me faut de rester joyeux. En attendant, on a survécu 41 jours en s'est agressé par des tremblements de terre, des crocodiles, des bestioles qui veulent nous bouffer, des ours, des grizzlies, des tigres, des renards, des serpents, des araignées, des scorpions. Voilà, se faire chier à faire un putain de radeau pour retourner sur la même île. Mais bon, on a trouvé une copine, donc c'est cool. Crao. Je me sens plein d'énergie, yeah, trop bien, trop cool, yeah. Youpi yo, youpi yeah, 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 yeah. Crown, on va manger ça. Et du coup, je vais faire le jeu du poisson. C'est ce que c'est rigolo. On prend le gros caillou. Hop. Bah, il est là pour ça, maintenant. Non. Puissance, 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 puissance. Allez. Ouf. Oh putain. Oh, j'ai attrapé un poisson de merde là. Ça y est, j'ai attrapé un poisson. Oui, oui. Ok, objet. On va le bouffer du coup. C'est un petit poisson. Ça va pas donner grand chose à mon avis. On le mange. Miam. C'est bon. Ah oui, c'est bon le poisson. Moi j'aime bien. Je raconte ma vie, j'en ai rien à foutre. On va tester le truc du crocodile, là, ça me perturbe. Je suis persuadé que ça peut marcher. Je vois pas, il dit qu'il faut le paralyser, donc ça me paraît logique de le paralyser avec des herbes. Ou alors, peut-être utiliser des flèches empoisonnées. Alors là, je vais loin quand même. Je sais pas, faudra vraiment que je me renseigne. Parce que bon, il y a aussi des passages par là, hein, forcément, quoi. Il n'y a pas que là-haut. Hein. Il me faut de la lumière pour avancer. J'avoue. Moi aussi. Alors, clam. C'est la petite routine maintenant. On commence à connaître par cœur, hein, le coin. J'ai la clé. Je sais pas quoi elle sert, putain, cette clé déjà. Franchement, là, c'est. J'ai voulu récupérer le joyau. J'ai vu comment j'ai fait la vidéo, mais après, je me suis pas renseigné. Bon, ça n'aurait mieux au prochain épisode. Mais voilà, quoi. Je vais voir, je vais tester pour les crocodiles. Je suis sûr qu'on peut faire un truc avec ces herbes là, ça me paraît logique. On va leur donner de l'herbe quoi. Alors. Ben ils sont pas loin, je suis con. Ouais mais bon il va leur dormir, il va être fatigué le petit garçon, hein, comme d'habitude, il nous fait chier. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, test, on va voir ça tout de suite. Toi là, je ne peux pas passer devant les crocodiles. Si je pouvais les immobiliser, je pourrais. Alors hop, si on fait ça là. Utiliser. Oui. Maintenant je peux. Oh putain, je suis trop fort. J'ai trouvé un truc de jeu sans solution. Ça nous met nous là. Putain, génial les gens. On sait comment faut faire maintenant. Ah là là, ça fait plaisir. Bon, on a découvert un nouveau lieu. Peut-être trouver une gemme. Voyons, on mange tout ce qu'on voit.
Bon, ok. Rien ici. Ah, il y a un truc différent. Il y a quelque chose d'écrit. Mais c'est trop sale, je ne peux pas lire. Putain. Je peux me forger une nouvelle truc. Bon, on a trouvé une nouvelle zone. Plein de mystères. Et là, j'ai vu un truc chelou. Bon, il a fait nuit. Et je crois bien qu'on peut le couper, là, les armes, là. Il va falloir recréer une hache là, je pense. Je sais pas si. Ah, ben je l'ai toujours ma hache. Je suis sûr qu'on peut trouver un passage. Parce que là, ça me paraît chelou. Regardez, c'est pas la même couleur que les autres arbres d'à côté. Et rappelez-vous, on avait déjà trouvé un passage comme ça. Yep, je m'en doutais. Putain, j'ai la chatte aujourd'hui. Oui, maintenant je peux avancer. Ok. C'est un raccourci. Ok. Bah, c'est toujours pas mal. On va dormir, on va aller essayer l'autre coin où il y a les crocodiles. Ah, j'adore ce jeu. Alors franchement, j'adore cette exploration, c'est vraiment sympa. Est-ce que j'ai un truc à donner à bouffer, toi? Merde, putain. Sac. Non, j'ai pas donné un truc qui te paralyse, tu vas mal le prendre, je pense. C'est pas pour dormir quelque part. En dodo. Et on va voir où on en est. Il me faut le reste des joyaux. En fait, j'ai pas cool, les pauvres crocodiles, ils n'ont rien demandé. Mais bon, c'est la survie, merde. Est-ce que je lui donne un coquillage, elle? Ouais, je vais lui donner de la bouffe. On va voir si ça va... Hop, lui faire récupérer quelque chose. Au bout d'un moment, lui donner à manger. C'est bon, on la nourrit un peu tous les jours, là, quand même. Bon, pas déconner. Pas pourquoi je peux faire un feu, là. Au bord de l'eau, c'est un peu con, hein. Hop, brûler. Oui. On va stocker, on va lui donner. Mais on va grailler d'autres trucs. Hein. On va trouver des fruits, de la viande, on s'en fout. Non, ça, on n'est pas en peine en fait de la bouffe. Voilà, c'est pas en fait. C'est dérangeant que ça. Et avant, je paniquais un peu pour rien à ce niveau-là. Allez, tiens, tu vas manger. Je m'occupe de toi. Hein. Tu pourrais me remercier. Hein. Une petite gâterie. Pardon, 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 pardon. C'est des enfants. Le merci. Voilà, s'en fout de mes coquillages. Bon, quand on va devenir adulte, il va bien falloir se reproduire. Hein. Parce que ça fait déjà 41 jours. Faut pas déconner, là. Et le petit garçon, il a peut-être envie de... Enfin bon, bref. Bah oui, hein. Bon. Mais c'est toujours mieux que faire ça avec le singe. Bon, bref. Je pars dans un délire, c'est dégueulasse. On va essayer l'autre crocodile. Du coup, vu qu'il nous reste une herbe encore. Puis, de toute façon, on sait les retrouver, les herbes. Mais voilà. Toi, là. Je dis smash, one shot. Voilà, j'ai attrapé le mythe. Je vais le faire cuire et le manger, tout simplement. Parce qu'il faut que je mange. Oh, bah, j'en avais déjà deux. Eh ben, dis donc. On le mange, crown. Hop, l'autre, je vais le faire cuire. Je suis sûr qu'il va périmer, mais c'est pas grave. Oh, puis on le mange, allez, blanc. Ça évitera de prendre la place pour rien. Il est sûr qu'il y a un mystère avec toutes ces statues. Putain, chier, faut que je prenne le couteau. Le knif, s'il vous plaît. Merci. Bon. Oh, bah, il reste tout le temps paralysé. Youpi. Pauvre bête, je l'ai tué en fait. Oh, ça me fait de la peine. J'aime pas faire du mal aux animaux. Bon, toi là, il y a un gland là qui m'intéresse. Ok, donc. Je vais passer devant les crocodiles. J'avoue. Mais après, ça fera moins de bestioles qui vont nous bouffer. Puis ça doit être bon, le crocodile, à manger. Hop là. Voilà le hardberry. On le mange. Parce que c'est hard. Putain, là, cette zone n'est pas... Elle a l'air un peu plus grande. Oh putain, je me suis dit, c'est des sables mouvants, cette connerie. Non, ça va, c'est juste de la déco. Bon, on va se balader, hein. On va explorer tout ça, hein, quand même. On va prendre notre temps. J'entends. Putain, c'est grand ici. Putain, il y a plein de choses. Alors là, il y a... Okay, y a une plante. Là, encore un berry. Hop. C'est plein d'énergie. Patati patata. Ah! Je suis encore tombé dans un trou. Oh! Ah, je suis encore tombé. Il va remonter. Hop, hop, là. Ah, c'est encore un piège. Eh bien, ce n'était pas facile. Mais je peux aussi utiliser la fosse comme piège. Oui, il faudra que je pense à prendre des grandes feuilles pour reboucher ces trous. Bon, on va le manger, voir ce que ça fait. Quoi, comme ça, merde. Ouais.
J'en ai déjà mangé, pourtant c'est bizarre que ça me redonne pas un descriptif du truc. Oh, une grenouille. Et si je la tue, ça donne un truc. Ou de que de la viande. Cuisse de grenouille. Ouais, c'est un cook. Bon, on va le bouffer. Hein. Moi, je bouffe tout maintenant, j'attends pas, vous voyez. Comme ça, je vais jamais dérangé par la bouffe si je bouffe direct, en fait. Au lieu de stocker connement. Mais une fois qu'il est bien maîtrisé, le jeu, ça va. On est moins stressé par les trucs futiles comme ça, en fait. Un silex, ça peut servir. Putain, c'est grand. Alors, il y a un truc pour dormir. Oh, sérieux. Putain, elle est grande, la zone. C'est pour ça qu'il y a un truc pour dormir. C'est pas con. Quand tu vas te fatiguer, j'irai dormir dans l'arbre. Merde. Où j'ai mis tout le machin torche, voilà. Si plein, ok, bah ouais, vaut mieux être plein que crever de faim. Bon, là, il y a un truc pour dormir. Et là, il y a des nounoufards. Oh, il y a un truc, là. Oh, il y a un joyau, là. Alors, attendez. Déjà, on va bouger. On va, ça, c'est sûr, ça va... Attendez. Il y a une petite énigme, là, entre guillemets. Voilà. J'ai eu bien peur. Putain, mais des fois, t'étais une vraie chiotte, mon ami. T'as peur de la pluie, hein. Oh, honnêtement, on aurait tous peut-être flippé en balançant un gros caillou comme ça, hein, je pense. Fais les malins, hein, devant notre écran, là. Mais en vrai... Et le singe est dans l'eau, là. Oh, Kiki. Oh, bah non, maintenant, on a peur du Kiki. Ah, mais Kiki est pas con. Enfin, tu vas bien, c'est ça qui compte. Ok, donc... Voilà, lotus, machin. Ouais. Le lotus, leaf. Donc, ça va être un bateau, maintenant. Ok. Donc, du coup... ah, on peut repasser. Ah, si, on peut repasser, là. Ah, quoi? Ah, il va me falloir une canne à pêche, un truc comme ça, c'est pas possible. D'accord. Et si j'utilise mon lotus truc, là? Utiliser. Il ne se passe rien. D'accord. Ok, j'ai l'impression de teindre la torche. Putain, ça va, j'ai pas trop besoin de dormir. Comment atteindre ce truc? Il y a un truc là, vous êtes bien d'accord? Nous sommes tous d'accord pour avouer cela. Ah bah là-bas, il y aura la solution là. Putain, il y a... Non mais il y a des joyaux partout aussi, il y en a un là. Putain, on va vite tous les trouver en fait. Big stick. Oh là là, ça a l'air un peu compliqué tout ça là. Là, je me mets dans des énigmes. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand le personnage va avoir envie de dormir. Putain, super. Oui, il pleut. Panique pas, panique pas. Et si j'utilise mon machin là. Bon, on a découvert une nouvelle zone. Il va falloir étudier un petit peu. Ça, j'ai encore le poussé à la rigueur avec le big stick. Ah merde, je peux pas le bouger. Non, je vais pas revenir là. Oh putain, puis c'est lent, c'est chiant. Je crois que je vais aller dormir pour être tranquille. Je vais dormir. Aller... Putain, non mais vous avez vu, c'est abusé, ils se montent devant le machin. Putain, il y a deux joyaux quoi là, c'est abusé. Sommeil. On cherche un peu de bouffe. Bon, c'est un épisode un peu plus long parce que là, écoutez, j'ai pas envie de quitter comme ça. Putain, ça ferait... Ça, si on pouvait choper les deux, ça ferait vraiment beaucoup de joyaux, quoi. On le prend... Non, c'est ça, si on le fait cuire, c'est bon. On va tester, tiens. On va le manger, on va voir ce que ça fait. Il reste pas tout gonflé. Ok, bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que c'est ça? Une grenouille, on va la tuer. Ouah, c'est du poison. Eh merde! Ça va passer, hein. Peut-être boire de l'eau.
Je sais pas. Ah putain, je me suis empoisonné. Franchement, manquait que ça. En même temps, c'est ça de boire des champignons qu'on connaît pas là. Oh putain, c'est galère. J'aurais jamais dû le bouffer ce truc. Bon, j'espère que ça va passer. Sinon, on va crever, hein. Ah putain, je peux faire un piège. Revole la bouffe. Alors, attendez. J'ai de la viande là. Ouais, ouais. Je vais me faire à manger. Bon, le poison est passé, c'est déjà ça. Non. Rouler machin, oui. Hop, on le mange. C'était bon. Hop là. Tac. Hop, on le rebrûle, ouais. Ouais, il y avait un trou là. Et ça, c'est quoi ça? On le mange, allez. Je fais que de la merde aujourd'hui. Alors ça, on va le recouvrir d'une feuille. On peut utiliser ça. Faire une fosse. Voilà. Comme ça, ça sera pas mal pour avoir de la bouffe. Eh mais... Et les voix, je trouve que c'est renard. On dirait que ça leur fait une tête de serpent là. Bon, moi je le... Allez hop. Bon, la bouffe, hein, c'est vraiment pas la galère. Hein. Bon, on va continuer à faire notre énigme maintenant qu'on est un peu prêt là. Bon, il va falloir réfléchir. Ce qui est pas facile pour moi. Je vais vous avouer que je n'excelle pas dans ce domaine. Dans les trucs des énigmes. Mais bon. C'est bien lent. Par des machins, il faut... Ils font ce qu'ils veulent, ils vont dans leur sens. Voilà. Alors le truc il servait à rien, super, trop cool. Oui. D'accord, c'est des trucs complètement, ça a aucun sens quoi. Voilà, ça pour me ramener là. Dégage toi, enfin je sais pas. Mais moi j'ai une grande feuille, je sais pas à quoi elle sert. Et c'est attendez, ah putain on peut rien faire quand on navigue. Ça, je peux le pousser dans l'eau, putain. Ça me perturbe. Pourquoi ça? Attendez, j'ai mal lu, là. Je ne peux plus le bouger. Ah bon? En quel honneur. Et si je fais ça? Là, il y a un trou, là. Il ne se passe rien. Putain. C'est horrible. Une énigme que je ne comprends pas. Du coup, ça serait naturel d'utiliser ça, mais ça me ramène ici. Peut-être c'est une question de courant. Peut-être qu'il faudrait que je bouche. Peut-être que voilà. Ah là là là. Bon, c'est bien, on a trouvé d'autres zones. Tout. Je crois qu'après, je vais aller me renseigner. Là. Lotus. Ça va peut-être flotter sur l'eau. Bah oui. Il ne se passe rien. Bah. Pourquoi? D'accord. Ah, ça c'est super utile. Bon, on sait qu'il y a deux joyaux quand même ici, bordel de merde. Bah écoutez les gens, je suis un peu paumé hein. Donc comme d'habitude sur ce jeu, je vais vous quitter. En essayant de gratter un peu une solution plus loin ou de réfléchir. Donc on va se re... Je suis fatigué. Donc on va faire un dodo. Bruissement. Bruissement. Allons bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'était ce bruit? Ah oui, va falloir que je fasse un feu. J'ai tellement sommeil. Ok. Bon. Tant qu'il n'y ait rien arrivé de dramatique, c'est ce qui compte. Je me suis endormi sans rendre compte. J'ai l'impression de n'avoir pas fermé l'œil. Oui. Ok, il a mal dormi. Bon bref, on fera un feu à côté de la maison pour bien dormir. J'ai oublié ce truc-là. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a découvert plein de nouvelles zones. On a récupéré un joyau. On a trouvé où sont les deux autres. Donc voilà, on va essayer de s'en sortir encore une fois. Je vais me renseigner, tester des trucs. Et je vous dis à la prochaine pour continuer cette aventure qui avance de mieux en mieux sur Stranded Kid sur Game Boy Color. Que dire de plus? Mettez un pouce bleu si vous appréciez cette série. Vos commentaires, vos conseils, le blabla habituel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous!